Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Eve Prétor. Je viens encore par cette occasion pour vous montrer ma recette de chenille. Malgré que je suis malade, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une recette de chenille sautée. Là, on sent la mbinzo nangai et à coca linga. Donc, pourquoi lelo et zali mbinzo? Les Congolais appellent ça les chenilles séchées. Donc, Mbinzo Rolingala, plus c'est la RDC et les gens du Nord. Donc, je vais vous montrer et je vais vous présenter comment j'ai fait. Allez, la caméra va avancer. Là, j'ai mes Mbinzo qui sont là. Voyez, regardez, j'ai mes mbinzo qui sont là, que j'ai nettoyé mes mbinzo, les chenilles, j'ai mis dans l'eau, j'ai nettoyé d'abord, j'ai choisi, hein, parce que des fois il y a du charbon, c'est sale, j'ai lavé, j'ai mis dans l'eau. J'ai lavé deux fois très bien. J'ai mis dans l'eau, j'ai mis du sel. J'ai laissé pendant 2 heures. Ensuite, comme j'avais la vidéo à faire, fallait le faire de suite. Je l'ai laissé 2 heures dans l'eau. Après, j'ai pris ces chenilles, j'ai mis au feu. Je les ai laissées au moins 5 à 6 minutes. Je les ai rincés et là, j'ai mis encore dans l'eau pour vous montrer parce qu'il ne faut pas trop aussi le laver. Sinon, le bout, la vitamine, il va partir. Allez, là, je suis en train d'enlever dans l'eau. Ils sont là, mes chenilles. Je les ai lavées. Binzo nangai yakuka uka. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire avec les chenilles séchées, et mes chenilles sont là, je les ai lavées, fait bouillir pendant 5 minutes avec, en mettant dans l'eau, j'ai mis du sel, j'ai attendu 2 heures. Vous pouvez le faire dormir 24 heures. Par exemple, ce soir, vous mettez dans l'eau, vous mettez du sel. Vous le laissez jusqu'au lendemain et demain vous nettoyez, vous renversez de l'eau chaude comme vous pouvez faire bouillir. Mais moi j'ai fait bouillir parce qu'on ne sait pas d'où ça provient, lesquels qui ont touché à ça, avec le virus, avec plein de mains qui ont tenu, il faut toujours de l'eau chaude parce que ça tue les microbes. Donc moi je les ai fait bouillir. Maintenant là, je vais nettoyer ma marmite. Parce que c'est avec cette marmite que je veux préparer à tout à l'heure. Oui les amis, là, j'ai nettoyé ma marmite, elle est là, elle est propre. Voilà. Je vais allumer mon feu. Mon feu est allumé. Je vais essuyer là. Voilà. Je vais éplucher l'oignon. Et oui les amis, ça c'est l'oignon que je veux couper. La première kata oignon nanga. On a l'ambango na mbinzo. Voilà. Et là, je vais mettre l'huile. Je mets l'huile. Voilà. Oignon.
l'oignon. D'abord sauter les oignons que ça puisse cuire parce que les chenilles ne sont pas dures. Si vous avez déjà fait bouillir, fait dormir dans l'eau, faire bouillir, après c'est mou. Il y a d'autres qui ne font pas bouillir, mais moi je dois faire bouillir parce que d'autres c'est dur. Mais quand vous faites, vous les mettez dans l'eau avec du sel, ça dort 24 heures ou 3 heures, 4 heures en avance. Vous allez trouver que les chenilles sont bonnes. Et après, ils ont du volume. Ça devient volumineux et c'est bon. Il y a du fer à l'intérieur. C'est très bon. Vous pouvez faire ça pour papa. Les inviter. Pour votre femme aussi. Pourquoi pas? Pour vos soeurs, vos amis. Je vais mettre mon poivre noir. J'arrive. Les amis, je vais mettre mon je vais vous montrer comment on conserve les céleris au frais. Moi, je les conserve au frais. Voilà. Je les nettoie juste. Ça fait déjà une semaine. Je vais les laver tout à l'heure. Mon céleri que j'ai lavé. Et je vais devoir mettre les chenilles. Je vais faire ça pour les invités, leur faire découvrir, mettre le cube. Fumier le feu doux. Voilà, je vais laver le lait, j'arrive. J'ai pris de l'eau. Ça, je les garde au frais, mais je vous montrerai la prochaine fois. Là, regardez, j'ai mes chenilles. On a la mise dans la lame, la oignon, la persil, la cube, la chine épice, minité, tangawisté, minité. La salim boka moka. Vite fait, si tu as des invités. Essaye de les faire découvrir. Je vais laisser mettre un peu d'eau. Je les laisse bouillir un peu parce que l'oignon doit cuire. Le cube aussi. Et à tout à l'heure. Je laisse cuire. Regardez. Regardez. J'ai mis un peu de soupe, ceux qui doivent manger avec du foufou. Mais j'attends 8 minutes. Elles seront prêtes, donc à tout à l'heure. Oui, les amis, j'avais dit 6 minutes à 8 minutes. Nous voilà à la fin. Nous avons fini. Je vais servir.
voilà à la fin. Voilà nos chenilles, à quoi ils ressemblent. Voilà. Et oui, les amis, j'ai fini. Regardez à quoi ils ressemblent. Les chenilles séchées. Bambinzo Nanga, ça ressemble à quoi? Eve Traiteur, ce soir, malgré que je suis malade, mais j'ai fait l'effort de faire à mon abonné qui doit faire à manger demain pour ses invités, pour sa famille qui revient de Paris. Il m'avait demandé comment faire pour préparer les chenilles. Pour préparer les chenilles, désolé. Donc c'est ça, je vous ai déjà expliqué. Et je vous dis merci pour ceux qui me regardent sur Facebook, qui like, qui commente, sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube, partout là où vous regardez mes vidéos. Je vous dis merci pour les likes, les commentaires, les partages, pour tout ce que vous faites comme... comme ce que vous faites en commentant, en faisant tout pour moi. Vous me regardez, même si vous commentez pas, mais vous likez. Vraiment, je vous dis merci. Merci à mes nouveaux et mes nouvelles abonnés. Je suis Eve Traiteur. Je fais traiteur, décoration de mariage, location de matériel, service traiteur à domicile et pendant les fêtes. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter au 07 77 05 82 81. Je me déplace de partout, en Afrique, au Congo, dans toute la France, tous les pays Schengen. Je suis là, si vous m'appelez. Bon, malgré qu'il y a le Covid, il n'y a pas de cérémonie, mais après, Dieu fera grâce. N'oubliez pas de vous laver les mains, les barrières de distance. Pensez vraiment à vous protéger. Il y a la maladie est là. Et je vous aime beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.